Pierre Palmade, confronté à une dépendance à la cocaïne, a entrepris une collaboration théâtrale avec Pierre Richard dans une pièce intitulée « Père et fils ». Malgré la connaissance des déboires de son comparse, Pierre Richard a su faire preuve de bienveillance envers lui. Pierre Palmade a récemment pris le courage de partager publiquement son parcours de lutte contre l'addiction à la cocaïne, une bataille qui a considérablement altéré sa vie personnelle et professionnelle. Néanmoins, malgré ses épreuves, il a eu l'opportunité de collaborer avec l'illustre Pierre Richard dans la production théâtrale de « Père et fils ». Cette pièce, dont le scénario a été élaboré par le célèbre écrivain et animateur de télévision Laurent Ruquier, a été présentée pour la première fois en 2006 au prestigieux Théâtre des Variétés de la capitale française. Dans l'ouvrage littéraire intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre », l'auteur, humoriste de renom, évoque le soutien bienveillant dont il a bénéficié de la part de Pierre Richard durant leur collaboration artistique. Malgré la prise de conscience de la problématique d'addiction de son collègue, le célèbre comédien a su faire preuve de compréhension et d'empathie à l'égard de la situation difficile de son partenaire de scène. Au sein de la production théâtrale, les deux artistes se sont vus confier des rôles complexes. Pierre Palmade y incarnait un personnage marié bisexuel qui, après une longue absence, révèle son orientation sexuelle à son père, interprété par Pierre Richard. Bien que la pièce ait connu un succès retentissant, l'humoriste confie que le plaisir de travailler avec son collègue de scène a souvent pris le dessus sur le message profond véhiculé par l'œuvre. En effet, ses fréquentes rechutes dans l'addiction à la cocaïne ont eu un impact sur sa capacité à garder le contrôle, ce qui a pu altérer sa performance. Dans son livre, Pierre Palmade a confié que le plaisir qu'il a ressenti à jouer aux côtés de Pierre Richard a eu pour effet d'éclipser le message profond de la pièce. Étant généralement très conscient de son contrôle sur scène, il s'est étonné de l'impact qu'a eu son inconscient dans cette situation. Il a également évoqué la solidité de son collègue, soulignant qu'il avait su faire preuve de compréhension et d'empathie envers ses rechutes fréquentes dans l'addiction à la cocaïne. Les deux artistes ont même plaisanté ensemble à propos de ces épisodes difficiles, Pierre Richard ayant un jour commenté avec humour « Tu étais fatigué comme un Polonais ». En dépit de tout, Pierre Palmade se montre reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler avec des acteurs aussi talentueux que Pierre Richard. Actuellement hospitalisé à la suite d'un sévère AVC consécutif à un accident de voiture, il affirme que la chance a été de son côté de pouvoir côtoyer des personnalités remarquables malgré les problèmes personnels.